il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Dans cette salle, le ministre Romuald Ouadahi se prête aux questions des entrepreneurs. Il discute des progrès réalisés dans le secteur des affaires au Bénin. Désormais, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, nous avons plus de transparence dans les procédures. Nous avons plus de latitude donnée aux entreprises privées pour accéder au marché public. Et à travers le système intégré de gestion des marchés publics, tous les acteurs de la chaîne des dépenses, tous les acteurs de la chaîne des marchés publics, que ce soit la passation au contrôle, que ce soit les gens du secteur privé, ont la possibilité aujourd'hui d'aller sur le système intégré de gestion des marchés publics, de se connecter, de voir tous les avis publiés en ligne et de pouvoir accéder dans l'égalité de traitement et dans la transparence aux procédures de passation des marchés qui sont mises en œuvre. Au-delà de ces aspects, il faut dire aussi que à travers les réformes, il y a eu un allègement des procédures, il y a eu une bonne réduction des différents délais en termes de passation de marché et aussi une bonne application du code des marchés publics en ce qui concerne l'exécution des différents contrats qui sont issus des différentes procédures de passation des marchés publics. De nombreuses initiatives sont prises pour faciliter la vie aux investisseurs. Toute la chaîne est concernée par ces réformes. La fiscalité revue à la baisse pour les entreprises. De même, il n'y aura plus de prix exorbitant de dossiers d'appel d'offres. Tout est fait pour satisfaire le client. On a placé beaucoup d'attentes dans les dispositions, dans les réformes. Quelques-unes sont lentes à décoller. On a ressenti aussi quelquefois un manque de communication parce que l'information ne venait pas à nous, on ne savait pas où regarder. Mais cette activité qui a été initiée par le ministère de l'Économie et des Finances nous permet de nous rassurer, de communiquer à l'endroit de nos partenaires, de nos collaborateurs, de nos confrères et leur dire bon, il y a un nouvel élan qui est donné et dans la suite, on espère que cet élan sera maintenu. Il y a eu des questions particulières liées à l'exercice du métier d'architecte. Ces questions sont en cours de traitement à divers niveaux et ceci nous rassure. Autre sujet abordé au cours de ces échanges, le préfinancement des petites entreprises, la question de paiement des factures et là encore, pas d'inquiétude. Avec toute la célérité aujourd'hui que nous avons dans le système, au niveau du trésor public, toutes les dispositions sont prises pour que, en un laps de temps, que les factures des entreprises soient effectivement traitées avec la plus grande célérité. Un délai maximum de 72 heures, au plus 96 heures, pour que effectivement les entreprises se voient payer au niveau de leurs prestations, au niveau des différentes structures qui sont chargées de payer. Cette rencontre du ministère de l'Économie et des Finances avec le secteur privé n'est pas la première du genre. Désormais, les deux parties veulent travailler d'un commun accord pour le rayonnement du Bénin.